bonsoir au sommaire de ce journal. Ecclésiaste libéral alias Aïdo et Diamant Augustin, 22 ans, ont été tués par balle lorsque 5 personnes ont été blessées vendredi au Gonaïves lors de la deuxième journée consécutive de manifestations contre le régime en place. La résidente de Pétionville mécontent des agissements des malfrats qui se livrent avec casse dans la commune lors des mouvements de protestation populaire. Le président de la République a rencontré vendredi au Palais national les importateurs en vue de pouvoir agir sur les coûts des produits de première nécessité. Les prix du riz seront réduits dans un bref délai, selon le chef de l'État. Jovenel Moïse a aussi appelé ses opposants à prendre la voie des urnes pour accéder au pouvoir. Toutefois, il reste accroché à son projet de dialogue pour résoudre la crise. Et puis, le gouvernement est conscient de la précarité de la situation économique du pays, a indiqué son ministre de l'Intérieur. Toutefois, il reste accroché aux 11 mesures datées de 2017 pour juguler la crise, déclare Jean-Marie Reynaldo Brunet. Ces titres vous seront développés après la pause. Madame, messieurs, restez branchés. En général, moun pa rèmè pran asyranse. Yo konsidere ke son lajan rejete. Et pourtant, l'ajan asyranse te dwe nan budje ou akote l'ajan kay ak l'ajan manje. Li la pou li dè ou travè son mouvè pa. Gade tout akote ou. Ou wè kouman gro problèm kon antre sou moun sans atann. Mande Diye pardon, sa ka rive ou tou. Ini assurance di ou, prekosyon pa kapon. Le malè rive, le fozan mi flè a sezon, a fè kom si ou pa jam konnen ou. Ini assurance ap rite avè ou pou di ou, kontinye viv la vi ou, kite se kous la nan men ou. Ini assurance. Vive en toute assurance. Bienvenue au développement de ce journal. Ecclésiaste libéral alias Aïdo et Diamant Augustin, 22 ans, ont été tués par balle lorsque 5 personnes ont été blessées vendredi au Gonaïves lors de la deuxième journée consécutive de manifestations contre le régime en place. Les victimes ont été touchées à la tête. La première serait un proche de l'activiste politique Wilfort Ferdinand, alias Tiwil. La manif du 7 février s'est soldée par 4 blessés par balle. Les représentants de la société civile ont condamné ces brutalités policières. Selon un correspondant à Mons, Alectine, suivez. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée manifestation dans la cité indépendance. Côté depuis environ 9h, gagné étudiants qui dans l'école de droit sciences économiques dans la ville Gonaïves qui était déjà dressé barricade sur route nationale numéro 1, ça qui était complètement paralysé circulation dans sur route date là. Et par la suite, tu gagné un groupe de manifestants qui sont dans l'université publique la Tibonite UPAG et qui gagné une organisation qui les assuré et qui t'a pas rejoindre mon groupe étudiants qui dans faculté de droit sciences économiques là et qui d'avoir croisé avec un troisième brosse manifestation qui sortit dans le quartier Raboto qui vient en tête lui Wilfort Ferdinand alias Sati Will en plus le monde connaît qui était fait prison déjà mais qui était trouvé qui était venu jeune grâce présidentielle sous régime Matelia côté des jeunes libérations qui était en tête manifestation ça qui s'est sorti dans le quartier Raboto qui t'avoir passé route date et puis t'avoir tombé sous route Denac là côté t'avoir tout entrer dans centre-ville manifestation ça lui t'avoir tenté passer devant commissariat il y a tout c'est l'ouverture dans ville Gonaïves côté la police a fait un cordon sécurité en façon pour empêcher manifestants eux-mêmes de passer dans par hasard. Mm-hmm. Arrivé là, manifestants ont lancé en pile coup de roche sur force audio qui t'a riposté côté tiré en pile gaz lacrymogène à qui t'a casé manifestation mais après une quinzaine de minutes qui t'a reprendre dans quartier Raboto, ils ont passé dans rue Pétion. Arrivé dans rue Pétion, ils ont fait rue Clairvaux dans rue Christophe à côté place d'Am cité indépendance. Côté où t'as voulu passer dans rue et Lozama, ça t'a voulu permettre Yovin et devant et banque qui dans ville là. Il y a une situation qui t'a voulu dégénérer bon côté banquio et côté Mounio t'a voulu taper en pile roche et sous banquio, c'est surtout Unibank. Ça qui t'a voulu permettre la police lui-même de reposer ensemble avec gaz lacrymogène. Et non par hasard là, gagné Diamant Augustin qui a 22 ans, il recevait un cartouche dans la tête, lui-même lui mourit. La police lui-même il démenti l'information, il dit qu'on connaît si il y a des gens qui mourent. Alors que moi-même, nous sommes dans l'hôpital dans le centre
côté qui gagne dans quartier Aboto et me constater Corsa au sans vie et Diamond Augustin qui a 22 ans et puis Ecclésiaste libéral alias Aïto lui-même qui mourit tout ça vient permettre gagne deux monde qui mourit et puis gagne 5 monde qui blessé grave par balle pour le moment 5 monde qui blessé il y a prend soin ça au nécessité dans centre santé et qui gagne dans quartier Aboto la police parlait de yon arrestation c'est ensemble avec yon citoyen qui était gon 9 mm dans men mais qui t'a peut-être pu passer comme yon agent policier non pendant moment ça et yon te possédé à arrestation pour le moment qui n'en met et force radio nan cité indépendance puis ça fait être pu passer je dis là comme yon policier et mais grâce à collaboration moun nan quartier ri antenne en main yon arrivé possédé à arrestation. Et c'est comme ça pour le moment, Ville Gonaïve lui-même nous présente. Et apparemment, il y a un petit calme, circulation au ralenti. Parce que par rapport avec Ross et Kakas, machine qui est dans la rue, ça va nous permettre la circulation de parler normal. C'est pour que la machine soit portée en façon pour qu'il soit capable de traverser. Et pour le moment, qui n'a pas là. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, l'activité ou presque ont été paralysées. L'école n'a pas fonctionné. Le transport en commun a été sérieusement affecté ainsi que l'activité commerciale. Parallèlement, des résidents de Pétionville dénoncent agissement des malfrats qui s'amusent à casser les vitres des entreprises, particulièrement dans la commune, dans le cadre des mouvements de protestation populaire. Ils appellent les agents de l'ordre à prendre des mesures pour mettre hors d'état de nuire ces fauteurs de troubles. Le président de la République a rencontré vendredi au Palais national des importateurs en vue de pouvoir agir sur les coûts des produits de première nécessité. Les prix du riz seront réduits dans un bref délai selon le chef de l'État, sans donner de précision sur les mécanismes qui seront mis en place pour parvenir à cette fin. La diminution des prix du panier de la ménagère pourra contribuer à soulager la population, estime le président de la République. Ses propos recueillis par Jean-Marc Son dans Série Guerre Noël. Suivez. Rencontre ça, c'est pour nous voir comment nous agir immédiatement sous affaire la vie chère qui a frappé le pays. Parce que je dis, j'en ai toujours dit, nous devons arriver à faire toute qualité de travail que nous avons en tête pour nous faire dans le pays. Mais si le problème est nous ne pas attaquer directement, nous connaissons que nous avons des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre à moyen et à long terme. Moins mandé Premier ministre avec tout ministre agriculture qui est ensemble avec nous là, ministre commerce, je parle chita, continue de travailler tout après-midi pour joindre une réponse d'ici demain, m'attendre une réponse sous résultat entre importateurs et l'État qui réponse qui joignent pour nous capables d'adresser problème prix. Il y a un produit qui est plus important dans le panier de la ménagère là, je vais parler de Duria. Et puis ensuite, pour nous continuer de travailler, pour nous agir sur l'autre produit qui vient d'un panier de la ménagère. Le locataire du Palais national a aussi appelé les membres du secteur privé des affaires à contribuer aux efforts de son administration pour freiner l'hémorragie de la monnaie nationale face au billet vert. Écoutons encore ses propos. Moi, et ça, c'est la paix maintenant, capable d'agir sur taux de change. On profite de questions pour rentrer pour demander, vraiment dans le secteur financier, pour eux-mêmes, pour être capables. Vous voyez, j'ai regardé. Parce qu'en principe, le pays a recevoir environ 3,2 milliards de dollars de transferts par année et nous exportons environ 1 milliard de dollars. Cela veut dire déficit en termes de changement. Il n'y a pas de gap là à 3. Si je dis, là qu'on est moment ça, moi, le meilleur bar là, c'est chaque haïtien dans chaque secteur, que le monde qui est dans le secteur financier, que l'État haïtien, le monde qui est dans le secteur économique en général, mettez-moi ensemble. Pour nous, pour spéculation, pour nous faire un jeune de ces jours. Merci. Le chef de l'État a par ailleurs invité ses opposants à prendre la voie des urnes pour accéder au pouvoir. Entre-temps, il reste accroché au projet de dialogue pour sortir le pays de l'impasse. Toujours le président Jovenel Moïse. Suivez sa déclaration. Même profiter de l'occasion pour me dire frem axem qui est une opposition politique dans le pays. Je dis un problème pays à traverser, c'est un problème pas nous toutes. Ce n'est pas un problème pas. Moun qui est en opposition, ce n'est pas problème pas moun qui est sous pouvoir, c'est problème pas tout haïtien. Parce que chaque haïtien t'a aimé ouais que pays a dans 10 ans, 15 ans, 25 ans qu'a venir que son pays meilleur. Mais pour le fait, j'aime toujours dire la stabilité politique
est le premier d'un bien public. Et stabilité politique, ça, seuls les gens que nous avons joints, c'est nous mettre tête ensemble. Moins ouvert, jeudi 8 février 2019, là. Bras nous bien lâche pour que toute femme, toute seule, qui n'a opposition politique dans le pays, que ça qui n'a opposition politique radicale, que ça qui n'a opposition politique modérée, pour nous venir chita parler autour de Yotab pour nous une solution à problème pays. Si gagnons qui peut-être penser ou bien imaginer que les gens ont solution toute faite, sont seuls gens pour solution ça, pour lui-même. L'État capable de mettre sous table, c'est à aller à travers les unes pour le Sabulta faire promettre ça, parce que solution ou pas besoin de réaliser si ce n'est pas promettre ou promettre et puis ensuite pour réaliser. Et puis concernant toujours l'exécutif, le gouvernement reconnaît la précarité des conditions de vie de la population, selon son ministre de l'Intérieur, rappelant les conséquences désastreuses de la déflation de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. Jean-Rinaldo Brunet persiste et signe que les 11 mesures datées de 2017 seront maintenues par le gouvernement pour réduire le train de vie de l'État et relancer l'économie nationale. Écoutons. Et par rapport à la manifestation faite aujourd'hui, il y a un pile casse qui fait, tant qu'on ministre de justice en sort dit là, et il y a un pile mesure qui prend tout par rapport à toute casse qui fait. Il est un fait que effectivement, on monde doit manifester. On monde doit revendiquer. Et de fait, nous-mêmes, comme l'État, comme gouvernement, nous avons des revendications. Nous avons demandé ça pour nous demander de manifester. Nous avons compris que, effectivement, une situation de précarité. Côté des gens qui grand effectivement, côté dollar américain à monter, côté de la situation, côté tout le monde besoin de la manger. Et nous comprenons tout par rapport avec ça. Il y a des mesures que le gouvernement prend, côté que il y a 11 mesures que le prend là par rapport à Jean l'État à fonctionner pour réduire justement les conditions de l'État à fonctionner. Et mesures ça, qui prend pendant le conseil gouvernement qui était en direct là, il pourra l'appliquer tout de suite. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Bon week-end, restez branchés.